gars, les petites filles du dimanche, qui se retrouvent à 3 heures métro blanche, en toute la semaine pour y penser, et ça les aide à travailler. Ils se baladent dans Paname qui sourit, à leurs jeux et à toutes leurs moqueries, car les gars, pour se faire admirer, se foutent des gens qui passent à leur côté. Ça crie, ça rit et ça chahute, bras dessus, dans le tumulte, le dimanche c'est fait pour s'amuser. Eh ben, on va en profiter. Dites les gars, on va au cinéma. Paraît que là-bas, il y a un film comme ça. On se cotise pour payer les entrées, pendant que les filles sont en train de parler. Crois-tu que Jojo m'embrassera? Je voudrais bien qu'il me prenne dans ses bras. Allez, pépé, dépêchez-vous. Une fois dans le noir, on fait les coups. On crie, on rit, et on se fout de cul. Le documentaire est ridicule. On se fout de voir planter le café. Dimanche, c'est fait pour s'amuser. Mais soudain, ça devient plus sérieux. Les garçons ne sont plus très sûrs d'eux. On a beau charrier le jeune premier, mais lui au moins s'est embrassé. Les petites filles sont devenues romantiques, et aux mamans le plus pathétique. Leurs jolies têtes viennent s'appuyer sur l'épaule du petit gars d'à côté. On dit plus rien, et on s'embrasse, on respire fort, et on s'en lance, on ne regarde plus le jeune premier. Le dimanche, c'est fait pour s'aimer. Mais le temps passe vite, il faut rentrer. Si on veut pas se faire en guirlandais, on reprend le boulevard sans dire un mot. Les petites filles ont le cœur gros. Les premiers baisers, ça c'est sérieux. Quand on gagne, ils sont très heureux, puisqu'ils ont osé les embrasser. On n'a pas fini d'en parler. On a passé une belle journée, bien commencée, mieux terminée, et toute la semaine, on attendra dimanche d'après pour remettre ça. Quelle heure à dimanche? 3 heures, métro blanche. Au revoir.